Tony Parker et ses proches ont festoyé jusqu'à tard dans la nuit pour célébrer un moment d'histoire. Aux côtés d'Alizé Lim et de plusieurs grosses stars, le Français s'est bien amusé avant de s'envoler pour vivre un week-end pas comme les autres. Les vacances de Tony Parker sont particulièrement mouvementées cette année et ce week-end du 12 août arrive en point d'orgue. Celui que l'on surnomme TP est une véritable légende du basket et il s'apprête à devenir le premier Français de l'histoire à être intronisé au Hall of Fame, le temple de la renommée. Une véritable consécration pour l'ancien joueur des San Antonio Spurs, qui a tout gagné et qui a 41 ans va donc entrer encore un peu plus dans la légende de son sport et dans celle du basket français. En attendant de voir ce que va donner le phénomène Victor Wembanyama l'an prochain, le compagnon d'Alizé Lim a encore de belles années devant lui pour savourer ce statut d'icône absolue en France. Pour fêter ce beau moment qui arrive, Tony Parker a organisé une énorme fête dans son incroyable maison de San Antonio, au Texas. Pour l'occasion, il a pu passer pas mal de temps avec sa chérie, toujours présente à ses côtés. Sur son compte Instagram, où elle se montre régulièrement active, Alizé Lim a partagé une série de photos prises devant une cabine photographique avec son amoureux et les choses ont l'air de très bien se passer de leur côté. En train de célébrer le Hall of Fame de celui-là, écrit-elle simplement en légende de sa publication. Le couple s'est également offert un tendre moment à deux dans l'une des piscines de la demeure de l'ancien basketteur, comme il l'a montré dans sa story, qui est à retrouver dans le diaporama. Thierry Henry fait le show sur la piste, un événement au cours duquel les célébrités étaient présentes, à commencer par une autre légende, mais du football cette fois-ci. En effet, Thierry Henry a fait le déplacement pour passer le week-end avec son grand copain et il avait visiblement envie de danser. Sur la musique de Magic System, le champion du monde a offert quelques pas de danse de qualité, avant de s'envoler avec Tony Parker et les siens, direction Springfield dans le Massachusetts, où se trouve le Hall of Fame. Cette année, CST aux côtés d'autres légendes que le français va être introduit puisqu'il s'agit de Dwyane Wade, Pau Gasol et Dirk Nowitzki. Un Tony Parker qui s'est exprimé il y a quelques jours dans l'OP, l'occasion de revenir notamment sur certaines critiques concernant sa personnalité. J'ai ce côté américain qui te donne une grande confiance en toi. En France, cela peut parfois être pris pour de l'arrogance, mais si est-ce ce qui te permet de te sentir capable de réussir de grandes choses, explique celui qui va une nouvelle fois marquer l'histoire de son sport.